La création en partage. Donc bonjour. Donc moi je m'appelle Denis Baronnet et sur l'écran à côté de moi, vous devriez voir, donc moi je suis auteur et vous devriez voir les mains de mon collègue et complice Gaëtan Doremus. Alors, c'est moi qui commence à me présenter. Donc, moi, je m'appelle Denis Baronnet et j'écris des histoires pour les enfants. On dit que je suis auteur jeunesse. Et en plus, je suis un jeune auteur jeunesse parce que ça ne fait pas si longtemps que je suis un auteur jeunesse. Parce qu'avant, j'écrivais pour le théâtre. On dit auteur dramatique. Attention, auteur dramatique, ça ne veut pas dire un type qui écrit des choses dramatiques, des choses tristes et graves, même s'il y a beaucoup d'auteurs dramatiques qui écrivent effectivement des choses terribles et graves. Non. Auteur dramatique, ça veut tout simplement dire auteur de théâtre. Et moi, en l'occurrence, j'écris des pièces de théâtre drôles, des comédies parfois dramatiques, vous me suivez, puisque ma dernière pièce de théâtre, Alimentation Générale, était une pièce de zombies et tout le monde se faisait bouffer à la fin. Marrant, non? Alors aujourd'hui, j'ai 54 ans et ça, c'est moins marrant. Enfin, quoique, c'est pas que ce soit marrant ou pas marrant, c'est plutôt que c'est bizarre d'avoir 54 ans. Parce que moi, dans ma tête, je suis toujours un gosse. J'ai vraiment l'impression que mon enfance, c'était hier et que du coup, il y a un truc qui cloche. Et je me demande vraiment si je ne serais pas passé par une faille espace-temps. Je suis en train de mener l'enquête. Je vous tiendrai au courant. Parce que vraiment, il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je me suis mis à écrire des livres pour les enfants pour repasser de l'autre côté de la faille espace-temps. Bref. C'est à presque 50 ans que j'ai envoyé un premier manuscrit jeunesse, une histoire d'ogre, à la fois drôle et cruelle, qui va s'appeler plus tard « Dans les dents, une vie d'ogre ». Et François, éditeur chez Actes Sud Junior, m'a appelé en me disant qu'il adorait et qu'il voulait le publier. Alors, j'en parle parce que c'est toujours un grand bonheur pour un auteur quand un éditeur vous appelle pour vous dire qu'il aime votre bouquin et qu'il va le publier. Voilà. Du coup, pour moi, à ce moment-là, ça a été une évidence. Mais oui, je suis fait pour écrire des histoires pour les enfants. Et en fait, je me suis rendu compte que je portais ça en moi depuis longtemps, que j'étais depuis longtemps, mais sans le savoir, un auteur jeunesse. Vieux maintenant, mais heureux et épanoui dans son art. Oh, tu m'as pas raté, Gaëtan, là. Hein. Alors, voilà. Donc, ici, c'est l'avantage de faire de la visio. On est chez moi. Donc, moi, je vis à Lille, vous voyez, donc ça, c'est ma maison. C'est plus précisément mon bureau où je travaille. Et ça, comme vous pouvez le voir, ou pas d'ailleurs. Donc, ça, c'est mon ukulélé. Parce que quand on est auteur, il y a des moments où on écrit beaucoup, où on est très inspiré. Puis, il y a beaucoup de moments où on n'a pas d'idée, on n'y arrive pas, etc. Alors moi, dans ces moments-là, je prends mon ukulélé. Quand j'ai la flemme de travailler, quand je ne suis pas inspiré, je prends mon ukulélé et j'improvise des chansons qui n'ont ni rime ni raison, que je chante à tue-tête à travers la maison. Ça vaut mieux que de jouer à Candy Crush toute la journée comme un imbécile, papa. Et vous, monsieur Doremus, racontez-nous un peu, et te voilà, ce que vous faites ici, votre œuvre et votre vie d'auteur illustrateur de génie. T'as vu un peu la transition? Ah, formidable. Ben, merci, Denis. Hein. Avec plaisir. Donc voilà, frère. Je ne suis pas que des mains, j'ai aussi une tête. Je m'en sers parfois, notamment pour créer des bouquins, puisque mon métier à moi, c'est auteur de livres jeunesse, auteur d'albums illustrés. Donc, je fais ça depuis une vingtaine d'années.
chez plein d'éditeurs différents, Le Seuil, Albin Michel, Le Rouergue beaucoup, Les Fourmis Rouges. Je vais vous en montrer quelques-uns d'ailleurs. Hop, je repasse sur mes mains. Youpi. Voilà. Donc, par exemple, vous pouvez voir le livre Ninon, que j'ai réalisé il y a quelques années. Ninon est une petite fille modèle. On voit que Ninon se lave comme une grande. Ninon sent aussi bon qu'une fleur. Et voilà, en fait, on comprend que le texte dit toujours l'inverse de ce qu'on voit à l'image. Ninon quitte le repas quand toute la famille a fini son dessert. Etc. etc. Ninon est une vraie peste. Ninon est raisonnable. Elle se couche tôt. Etc. etc. Et elle devient un vrai monstre. Elle fait beaucoup de grimaces. Et j'aime beaucoup les grimaces. Et c'est pour ça que je pense qu'on s'est bien entendu avec Denis. Puisque j'ai aussi fait d'autres livres avec grimaces. Ça, c'est des livres que j'ai travaillé avec un ami qui s'appelle Philippe. Les aventures de Til d'Espiègle. Et on peut voir qu'il y a d'autres pages avec plein de grimaces. On voit que Til fait plein de grimaces. Il lui arrive plein d'aventures. C'est une, voilà, c'est des, ce que j'appelle dans ma production, c'est mes livres de sale gosse. J'adore les sales gosses. Les livres où les personnages sont un petit peu insolents. J'ai des livres avec des gosses un peu plus sages, quoique que je fais des livres pour les tout petits. Alors ça, ce sont des livres que j'ai travaillés aux éditions du Rouergue. Là, c'est tout doux, l'histoire d'un ours où il fait chaud et froid, ce qui est rouge et chaud, ce qui est froid et bleu. Ça se passe sur la banquise et c'est l'histoire de cet ours. Et on peut voir que voilà, le soleil est chaud parce qu'il est rouge. L'œuf vient d'être cuit, donc il est un petit peu rouge, il est un petit peu chaud, etc. Donc, j'aime beaucoup faire des livres avec, avec des petits traits. Des petits traits colorés, des petits traits en noir et blanc. Ça, c'est un autre dernier livre qui s'appelle Rosie. Alors, je crois que j'ai un problème de caméra, c'est un petit peu flou. Je ne sais pas trop pourquoi. Non, c'est bon. Ça va, et Rosie, ça va. C'est une petite araignée. C'est génial, Rosie. Son fil. Et elle désespère jamais. Des fois, elle est complètement perdue au milieu des champignons. Elle ne sait plus du tout où elle est. Et alors, il est où mon fil ? Mon fil, il est où ? Et en fait, ce qu'il y a, c'est que Rosie, ben, elle est très sympa. C'est un monde très coloré, mais elle ne voit pas les couleurs. Donc, à chaque fois qu'elle a trouvé un fil, ce n'est pas un fil rose, alors que Rosie est une petite araignée rose. Je vous en montre un dernier. Je ne pouvais pas me dire que vous en avez marre, hein, parce que vous ne pouvez pas réagir derrière votre écran. Je vous montre un livre que j'ai fait avec Gauthier. Mon copain Gauthier, et le livre s'appelle Fuit-tigre. C'est l'histoire d'un tigre jaune qui doit quitter son environnement qui a pris feu. Il arrive en ville chez un petit garçon et il a cette faculté, ce tigre, de, comme il n'arrive pas à s'intégrer, plus il est intimidé, plus il a peur, plus il est petit. Et là, il est de la taille d'un Playmobil, vous avez vu. Et il va être bien admis dans cette famille. On va même lui faire sa chambre. Vous avez vu un peu sa chambre ? Wow. Voilà. Et puis, je vous montre le dernier bouquin qui vient de sortir la semaine dernière, qui s'appelle, je suis obligé de le mettre de travers, mais comme ça, tout le monde est en train de basculer sa tête derrière son écran, c'est rigolo. Le chien sans nom, c'est un roman que j'ai illustré aux éditions Albin Michel. Un roman de Joël Egloff, et c'est l'histoire de ce chien. Ce chien, il vit chez M. Baratin, et M. Baratin, bah, il vend des animaux, il vend des chiens. Il vend tous les chiens, sauf celui dont nous parlons, puisque ce chien va passer sa vie à côté de M. Baratin, il ne sera jamais vendu, donc il n'a jamais de nom, puisqu'il n'a jamais de maître. Et c'est une grande histoire d'amitié contrariée, amitié impossible entre ce chien qui cherche un nom, qui cherche une identité, et qui vieillit, et le maître qui veut vendre des chiens et qui ne vieillit pas à la même vitesse. Tu pourras me l'envoyer, celui-là ? Ouais, bien sûr. Voilà, Denis, mes livres. Et voilà, génial. Alors, à toi. Gaëtan, en fait, tu en as fait combien des livres ? 40, une soixantaine, 50, 60, une soixantaine, à peu près. Oh ça vache. Fait 20 ans que je fais ça. Voilà. J'ai du boulot. Alors moi, voilà, comme je vous ai dit, quelle transition incroyable. J'ai découvert le monde de la littérature jeunesse récemment. Et donc, pour mon premier livre, L'Histoire de l'Ogre, l'éditeur avait trouvé un illustrateur. Mais le temps passait et les illustrations, moi, je ne les voyais jamais. Ça a duré presque un an. Bon, je me suis dit que c'était normal, mais en fait, ce n'était pas normal. C'était parce que l'illustrateur qu'ils avaient choisi, il n'allait pas bien. Il avait des problèmes de couple, je crois, je l'ai appris après, parce que sa femme était partie vivre au Brésil, sans lui, malheureusement, lui était resté en France, si j'avais bien compris.
Et il était très malheureux, il n'arrivait pas à travailler et il ne rendait que des dessins, il ne rendait pas ses dessins, ou alors c'était complètement à côté ce qu'il rendait. Mais ça, l'éditeur ne me le disait pas. Puis au bout d'un an, il était obligé de me le dire quand même et il m'a également dit qu'il fallait trouver un autre illustrateur et qu'il était désolé pour cette perte de temps. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a parlé d'un certain Gaëtan Doremus, illustrateur apparemment très connu, mais moi, je ne le connaissais pas. Et moi, ce que je me suis dit, c'est ce type a un drôle de nom, tout droit sorti du Moyen-Âge. Et on m'a invité à aller voir son travail sur Internet en précisant qu'il faisait des livres pour les petits, alors que mon histoire d'ogre, à moi, c'était pour les plus grands. Et j'ai tout de suite été conquis. Je me souviens précisément du dessin d'un ours avec un type en transparence dans son ventre. Ça dit quelque chose, ce dessin, Gaëtan? Que c'est Bien vraiment... sûr, Denis, ça doit être celui-ci. Et c'est ça, c'est celui-là. C'est voilà. Celui-là. Alors là, c'est et là, l'histoire, j'ai voilà. compris qu'on allait pouvoir bosser ensemble. C'est une image qui est tirée du livre Chagrin d'ours. C'est un livre sans texte que j'avais fait il y a maintenant peut-être une dizaine d'années. Et c'est vrai que, bah voilà, moi, quand j'ai reçu le texte de Denis, je me suis dit, alors déjà, j'ai beaucoup rigolé parce que c'est très drôle, mais j'étais quand même un petit peu déstabilisé parce que le premier chapitre, ça se passe effectivement au Moyen-Âge. Alors, même si j'ai un nom qui fait penser au Moyen-Âge, moi, ce qui me bloque sur le Moyen-Âge, c'est qu'il faut dessiner des chevaux. Et les chevaux, on ne sait jamais comment les dessiner parce qu'il y a des. On ne sait jamais combien ils ont de genoux, combien ils ont de rotules, s'ils ont des sabots un peu bizarroïdes. Mais ce qui m'a rassuré, c'est qu'au bout du premier chapitre, l'ogre bouffe son cheval. Donc, j'avais plus de chevaux à dessiner et j'ai dit oui. Et j'étais très content de dessiner cette histoire. Et donc, à Et donc partir quoi, de à là, partir de là, à partir de là quoi? Eh ben à partir de là, j'ai commencé à recevoir les crayonnés du livre de la part de Gaëtan. Et tout d'abord, ça a été un choc de voir les images. Parce que donc, c'était la première fois que ces images sortaient de ma tête. Et ce n'est pas évident au début d'accepter que quelqu'un d'autre s'empare de votre imaginaire. Et puis après, ça a été un émerveillement. Parce que c'était impeccable, ces dessins. Ça correspondait parfaitement à mon univers, à la fois burlesque et cruel. Et en plus, c'était beau. C'était comme si ce monsieur au nom médiéval, eh bien, il était dans ma tête. C'était comme si ça sortait de ma tête. Voilà. Ah, dans comme ta si tête, lui, comme ça, Denis. Tchouf. Comme s'il était dans ma tête. Voilà, et voilà. Dans ta tête. Ah, décidément, tu ne m'épargnes pas. Et voilà, et Gaëtan a fait tous les dessins du livre sans qu'on se soit jamais parlé. Oui, et puis moi, le plaisir que j'ai eu, c'était de dessiner donc, voilà, le livre en question, hein, Dans les dents, une vie d'ogre. Le plaisir que j'ai eu, c'était de dessiner un vrai méchant. Parce que souvent, dans les livres pour enfants, on fait peur pour de faux. Là, je pouvais vraiment faire peur. L'ogre, il mange vraiment un cheval. Il a vraiment de très grandes dents. Il fout vraiment les jetons. Là, il on mange peut même voir ta un passage. petite Où Denis va imaginer une scène merveilleuse où l'ogre... élève des petits bébés comme on élèverait des poules pour avoir, nous normalement c'est pour avoir des œufs, lui c'est pour avoir des petits bébés pour les manger, donc il élève des humains pour qu'ils pondent des petits bébés pour pouvoir les manger puisque c'est le mets Alors, préféré des ogres. il ne le fait pas, il en rêve. Il en rêve, c'est un rêve. Et il voudrait faire un élevage d'humains, mais il n'est pas patient et il les bouffe avant qu'il fasse des petits. C'est horrible. Ouais, et là, c'est un passage très marrant où l'ogre se prend les pieds dans sa barbe. Vous saurez tout ça en lisant voilà. Dans les dents. Alors, le livre est sorti en mai 2017, c'est ça? Ouais, et ouais, puis, je crois que c'est ça. Ouais, il a été remarqué pour le Salon de Montreuil. Alors, le Salon de Montreuil, c'est un peu le festival de Cannes de la littérature jeunesse, toute proportion gardée. Et une amie à moi, Anne-Marie, une nana formidable, qui est directrice du Théâtre du Nord à Lille, m'a dit « Il faut absolument que vous fassiez une lecture dessinée de ce texte. » Alors, une lecture dessinée, c'est une sorte de spectacle dans lequel l'auteur lit et l'illustrateur dessine en direct et ses dessins sont projetés. C'est comme une visio, mais en direct. C'est très original comme concept. C'est très avant-gardiste. Voilà, alors j'ai appelé Gaëtan, très enthousiaste, pour lui dire, bah voilà, faisons cette lecture dessinée. Et on ne s'était encore jamais rencontrés, mais on se parlait au téléphone. Je ne me souviens plus quand est-ce qu'on s'est rencontrés exactement. Quand est-ce qu'on se parlait je ne sais plus. Alors, tiens, c'est bien si on se parle qu'on voit nos têtes. Eh bien, Denis, moi, je ne te connaissais pas non plus, mais voilà, j'étais un petit peu intimidé au début parce qu'on m'avait dit que tu étais super intimidant, que tu étais un gars hyper costaud. En gros, tu ressemblais un petit peu à ça, quoi. Tu vois, une sorte de un Hercule peu, avec un crayon, quoi. Donc, j'étais vraiment flippé. Blanc, ouais, ouais, bah, oui, oui, c'est peut-être juste. Tu n'es pas toujours en slip comme ça dans les dédicaces. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà.
Et puis, je faisais aussi une lecture dessinée avec un autre copain, avec Philippe. Donc, j'avais déjà une petite expérience et je me suis dit, bah, allez, allons-y, on va faire une lecture dessinée avec ce Denis que je ne connais pas et qui ressemble effectivement pas trop à Hercule de ce que j'ai pu découvrir après, mais qui était quand même magnifique. Oh, t'es gentil. Alors, cette lecture magnifique que tu fais avec Philippe Le Chermeilleur, moi, je l'ai vue parce qu'on l'a jouée ensemble à Genève. Et elle est complètement folle, leur lecture dessinée. C'est complètement dingue. Les enfants font des concours de paix. C'est complètement débridé comme truc. Et en même temps, très, très joli et très poétique. Donc, voilà. Donc, du coup, on a vendu notre lecture dessinée au Salon de Montreuil. Donc, on a commencé à être très, très, à beaucoup se parler, quoi. Et au mois de décembre, sur le stand des éditions du Rouergue, nous nous sommes rencontrés pour de vrai et nous avons préparé à toute vitesse une première version de la lecture dessinée. C'était les 8 premiers chapitres du livre et on s'est rendu compte en se rencontrant que vraiment la complicité fonctionnait entre nous. Ça allait vite, qu'on avait le même esprit, mais ça, on le pressentait déjà. Alors, c'était pas mal cette lecture dessinée, mais moi, j'avais envie d'autre chose et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'inventer une science qui s'appelle l'ogrologie. Donc, la science qui s'occupe d'étudier les ogres. Et donc, nous avons créé une conférence d'ogrologie qui s'appelle Petite leçon d'ogrologie à l'attention des enfants prudents, que nous avons créée à Genève à la rentrée 2018 ou 2019, je ne sais plus. Et ce que je vous propose là maintenant, chers auditeurs, chers, comment est-ce qu'on dit, chers visionneurs, Spectateur. Ouais. c'est de vous faire le début de notre petite leçon d'ogrologie. Je vais donc mettre ma blouse d'ogrologue. Parce qu'on ne rigole pas avec la science. Alors, attention. Voilà. C'est un sujet très sérieux, l'ogrologie. Alors, nous sommes des spécialistes de la question, Gaëtan et moi, puisque nous sommes ogrologues. Vous comprenez, ogrologue? Oui, bien sûr, un ogrologue, c'est quelqu'un qui étudie les ogres. Non, je vous pose la question, parce que, en principe, quand je dis aux adultes que je suis ogrologue, ils ne comprennent pas. Ou alors, ils comprennent œnologue, voire urologue. L'œnologie, c'est l'étude du vin. L'urologie, celle du pipi, et ça n'a rien à voir. Même si les ogres, eux aussi, boivent du vin et font pipi, enfin, en tout cas, on le suppose, parce que finalement, on n'en sait rien. Aiment-ils boire du vin en accompagnement de leur repas? Préfèrent-ils les enfants crus ou cuits? Ont-ils des enfants eux-mêmes? Les mangent-ils? On n'en sait rien. On nous dit trois choses sur les ogres. Un, ils sont grands, gros et barbus. Deux, ils ne se nourrissent que d'enfants. Et trois, ils vivent au fond des bois. Et débrouille-toi avec ça. Ça fait un peu court. Et puis, ça ne tient pas debout, cette histoire. Quelqu'un qui ne se nourrit que d'enfants et qui vit au fond des bois peut éventuellement être grand, mais certainement pas gros, parce qu'il ne doit pas en manger très souvent, des enfants. Il n'y a pas d'enfants au fond des bois. Vous allez souvent au fond des bois, vous? Non, quelqu'un qui ne se nourrit que d'enfants vivrait plutôt à côté d'une école ou d'une maternité et pas au fond des bois, à moins d'être stupide. Ou alors les ogres sont stupides. C'est une possibilité. Mais finalement, on n'en sait rien. C'est quand même incroyable. Voilà des créatures terribles dont on rabat les oreilles des enfants à longueur de temps et dont on leur dit qu'ils sont leur principale nourriture et personne ne s'occupe d'en savoir un peu plus. C'est fou, ça, non? Et les adultes, eux, eh bien les adultes, ils s'en fichent. Évidemment, ils ne sont pas concernés. En tout cas, c'est ce qu'ils croient. S'ils s'intéressaient un petit peu à l'ogrologie, ils apprendraient, entre autres choses, que les ogres, ce n'est pas comme les koalas qui ne mangent que des eucalyptus. Les ogres aiment manger des enfants, certes, mais ils ne rechignent pas à dévorer un adulte de temps à autre quand l'occasion se présente au fond des bois. L'ogrologie est donc la science qui s'occupe d'étudier les ogres. Elle a été inventée par un certain Monsieur B, qui n'a pas eu le temps d'obtenir toute la renommée qu'il mériterait d'avoir, car il est mort très vite en exerçant sa dangereuse profession. Et oui, quand on pratique l'ogrologie, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise rencontre, si vous voyez ce que je veux dire. Nous voudrions commencer cette conférence en rendant hommage au courage de Monsieur B, qui n'a pas hésité à donner sa vie pour la science ogrologique. Voici une chanson qui lui est consacrée
et qui s'intitule « Les risques du métier ». Et donc, je vais prendre ma guitare pour cela. L'ogre des contes de fées est-il un monstre de papier ou essaierait-il de se faire passer pour un monstre imaginaire afin de mieux nous tromper et pouvoir se goinfrer tranquille de petits enfants appétissants, qu'ils soient des villes ou des champs. L'ogre des contes de fées nous prendrait-il pour des imbéciles? C'est une possibilité. Pipapadam. Pipam, pipapadam. Cherchant des réponses à cette question un peu technique, Monsieur B fonda une discipline scientifique, précipitant sa fin tragique, car l'ogrologie, c'est comme le saut à l'élastique, passionnant mais pas sans risque. Et quand Monsieur B tomba nez à nez avec un ogre des contes de fées, ce dernier le dévora sans hésiter. Ce sont les risques du métier. Pipapadam. Ce sont les risques du métier. Mais Monsieur B n'est pas mort en vain, car il nous a montré le chemin. Et c'est un peu grâce à lui que nous sommes très fiers aujourd'hui de vous présenter notre petite leçon d'ogrologie. Oh, oh, d'ogrologie. Et voilà comment commence notre petite leçon d'ogrologie. Alors, nous espérons bientôt pouvoir à nouveau la donner en direct devant un public. Et pour ceux que la question ogrologique intéresse, sortira très bientôt, à la rentrée de septembre, la grande encyclopédie des ogres chez Actes Sud Junior, directement inspirée de la leçon d'ogrologie. Donc, c'est assez drôle ça, parce qu'il y a eu le livre sur les ogres, après on a fait la leçon d'ogrologie, et d'après cette leçon d'ogrologie, eh bien, on a proposé un bouquin qui a été pris par Actes Sud Junior. Ça va être un très beau bouquin dont on vient de recevoir la pré-maquette, et je dois dire que j'étais assez bluffé par le truc. Donc c'est une encyclopédie totalement farfelue, mais qui a l'air sérieuse sur les ogres. Donc c'est bien sûr un livre très drôle dans lequel vous apprendrez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les ogres sans oser le demander, et bien plus encore. Et on va vous montrer quelques dessins dont Gaëtan l'a déjà fait, mais voilà. Il ne faudra pas le dire parce que le livre n'est pas encore sorti. Gaëtan, raconte-nous un peu. Je ne vous dis pas qu'il y aura des planches comme celle-ci où en fait on voit la cuisine de l'ogre et sa salle à manger avec plein de détails sur comment l'ogre s'aiguise les dents, qu'est-ce qu'il boit, qu'est-ce qu'il mange, est-ce qu'il a des animaux de compagnie, est-ce qu'il fait cuire les choses à la broche ou sur une plaque à induction. Tout ça, vous le saurez. Vous ne saurez pas non plus, si vous n'allez pas voir ce livre, que l'ogre parfois se fait piéger. Et ici, on peut voir un landau piégé, c'est-à-dire que l'ogre pense attraper un petit bébé et tac, le landau piégé se referme sur la tête de l'ogre et il doit s'enfuir à l'aveugle. Vous ne saurez dans pas. Dans l'encyclopédie, pardon, d'ogrologie. Excuse-moi, Denis. Pardon, il y a des pièges à ogre. Donc, un des pièges à ogre, c'est un landau piégé. Donc, dans un landau, on met un piège à loup et quand l'ogre se précipite pour attraper un faux bébé, clac, il se fait attraper par le piège à loup. Mais les ogres ne sont pas que des personnages terrifiques, ils savent aussi s'amuser. Et on peut voir que là, c'est leur grande partie. C'est le jeu le plus populaire, c'est un peu comme le football chez nous. C'est le chat-souriceau, où il y a deux équipes qui doivent s'affronter pour attraper un petit enfant qui est tout en bas. Assez souvent, ça se termine en pugilat. Et parfois, même l'enfant s'échappe.
On peut voir encore une planche voilà, qui décrit les cinq, non pas les cinq, mais les six sens de l'ogre, puisque en plus de l'odorat, du goût, du toucher, de la vue, de l'ouïe, l'ogre a un sixième sens qui s'appelle la peur. Il sait détecter la peur chez les autres. Chez l'enfant. Et chez l'enfant en particulier. Voilà. Et c'est très compliqué de ne pas avoir peur d'un ogre. Un dernier dessin qui vous présente un chasseur d'ogres. C'était un métier peu répandu, mais indispensable au Moyen-Âge. Et il y a tout un chapitre qui présente le chasseur d'ogres le plus célèbre. Denis, tu te souviens du nom, vu que c'est ton métier, ogrologue? Eh bien, je ne me souviens plus de son nom. J'adore son nom, mais je l'ai oublié. Et ouais, ce chasseur d'ogres qui a été un petit peu le premier ogrologue, parce qu'il en a tué beaucoup, et il prenait des notes, il faisait des croquis, gros ogres, 150 kilos, 48 ans, etc., finit par se faire tuer par un autre chasseur d'ogres, hein, parce que petit à petit, à force de tuer des ogres, il finit par ressembler à un ogre. Voilà. Voilà. Alors Denis, voilà, ça c'est un livre qu'on a fait ensemble, et puis tu peux nous parler d'autres projets peut-être qu'on a ensemble. Alors, après, on a fait Lou a oublié sa tête, ensemble. Oui, on va en parler. Le Seuil Jeunesse. Ouais. Tu nous montres quand même la jaquette. Bien sûr. Lou. Elle est dans le coin. Voilà, Lou a oublié sa tête, qui est sorti en septembre. Et puis, ça marche bien parce qu'il va y avoir un second tirage. Voilà. Et puis, Les Cochons d'Ulysse. C'est une histoire fantaisiste qui se passe pendant l'Odyssée d'Ulysse. Et puis, on a d'autres projets dans nos cartons, dont Les Aventures de Skeletos, qui sortiront en 2022. Voilà, on peut voir Skeletos, là. Voilà, donc c'est l'histoire d'un squelette. C'est l'histoire d'un squelette et d'une petite fille. Donc, ça se passe à la fois dans le monde des squelettes et dans le monde des vivants. Et puis, il y a Mission Carotte aussi, commande qu'on a eue. Ce sont les aventures d'une bande de lapins. Enfin, de deux amoureux, surtout de deux amoureux lapins. Et d'ailleurs, à propos de Mission Carotte, il t'a appelé l'éditeur, Gaëtan? Non. Ah, bah, il va le faire. Parce que, ah oui, j'ai oublié de t'en parler. Il voudrait qu'on retravaille un peu sur l'histoire, qu'on mette des masques à nos lapins. J'ai oublié de te dire. Des masques? Ah, mais oui, très bien. Mais c'est une bonne idée. Il a des bonnes idées, oui. L'éditeur. Regarde, oui. Si notre lapin, là, on ouais. pourrait le. Là, c'est notre lapin. Eh ben, ouais, on va lui mettre. Tu te souviens? Alors, je suis sûr que ça va te rappeler un truc, les enfants. Ah ben non, aujourd'hui. Non. Un cavalier qui surgit au fond de la nuit. Zorro, tu vois. C'est pas de ce genre de masque dont il s'agit. Il s'agit de masques chirurgicaux, Gaëtan. Des masques chirurgicaux? Oui. Il voudrait qu'on replace cette histoire dans le cadre de la pandémie. Ah bon, il y a une pandémie chez les lapins. Il manquait plus que ça. Non. Ben, il s'agit de la pandémie de Covid. Dont tu as peut-être entendu parler. Ah ben bah non, mais je ne savais pas que ça touchait aussi les lapins. Moi. Mais non, ce n'est pas que ça touche les lapins. Ils veulent que notre histoire se passe pendant la pandémie, notre pandémie. Ah ok, j'ai compris. Bah, non, ils ne m'ont pas appelé. Mais, pff, c'est nul ça. Déjà qu'on mène dans ce truc, maintenant ça contamine l'imaginaire. C'est un peu le seul endroit où il n'y a pas de Covid, l'imaginaire. Bah ouais, mais en même temps, finalement, ça finit par contaminer aussi l'imaginaire. Parce que moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, maintenant, à chaque fois que je pars sur une histoire, je me demande si je parle du Covid ou pas, avant, après ou pendant. Donc, si j'ai bien compris, ils veulent qu'on en parle, mais sur un ton rigolo, tu vois, qu'on dédramatise la pandémie. Oui, non, mais je vois bien, oui, mais nos lapins, ils sont tranquilles, insouciants, en pleine nature, ils gambadent et hop, ils vont se retrouver avec des masques, de la distanciation sociale. D'ailleurs, comment on met un masque à un lapin? Toi, tu as une idée? Attends, je vais essayer, mais… Je ne sais pas, c'est toi le dessinateur. Essayons. Alors, regarde. Bon, on a toujours nos lapins, là. Ouais. Alors, si on met un masque… Tu vois, parce que le problème, c'est que les oreilles, elles ne sont pas au même endroit. Ouais. Alors, vas-y. Si on leur met le masque comme à nous, ben voilà, super. Le lapin, il ne voit rien du tout. Non, il ne voit rien. C'est dangereux. Alors après, on peut se dire qu'ils vont le mettre là. Mais là, ça ne va pas non plus, parce que si on l'élastique, il casse, tu vois. Donc, ça veut dire que là, il est en dessous. Ouais. Ça ne sert à rien. Sinon, plus compliqué que ça en a l'air. Ouais, vas-y. Il faut allonger des élastiques. Il n'y a pas. Il faut allonger des élastiques. Et puis on le met là. Et là, ça passe. Voilà. Quoi. Donc là, c'est nickel. Mais bon, après, il y a quand même un autre problème. Quoi. Ah, c'est quoi? Ah, bah oui. Tu vois. Qu'est-ce qu'il fabrique là avec le masque? Bah, il le grignote. Les lapins, je dis, ah, là, c'est oui, bien sûr. Le truc. Dès qu'il a un truc sur les dents, le lapin. Ah, oui, normal. Mais surtout qu'ils sont fabriqués à partir de fibres de carottes naturelles. C'est pas possible. Il faut trouver un système pour que le lapin ne grignote pas le masque. Ça se complique.
Bon, écoute, on y réfléchit et on enchaîne. Alors, qu'est-ce qu'on avait après? Ah oui, on voulait faire une petite présentation de Lou a oublié sa tête. Parce que le livre va être imprimé là, mais j'espère qu'ils ne vont pas nous demander de mettre des masques aux personnages. Ah bah non, j'espère pas. Ou à l'ogre. Tu imagines si petit Georges, notre ogre, arrive dans notre époque en temps de Covid? Alors, il le chope, le Covid, il se retrouve à l'hosto. Et là, il se sauve et il tombe sur la maternité. Il faut savoir que notre ogre aimerait beaucoup pouvoir dévorer des bébés. Mais dans la maternité, il ne le laisse pas entrer parce qu'il n'a pas de masque. Ouf. Imaginons les chefs-d'œuvre de la littérature jeunesse en temps de Covid. Max et les Maxi-monstres. Un matin, Max mit son masque chirurgical et son costume de loup. Ah, la classe. Harry Potter à l'école des sorciers en distanciel. Et puis, Poudlard réouvre, mais hop, quand il passe dans le monde magique par le quai 9¾ pour prendre le train pour Poudlard, il se rend compte qu'il a oublié son masque. Et personne ne connaît de sort pour créer un masque. Quel suspense. Ah, et moi, j'ai une autre idée, regarde. Ouais, une autre super idée dans le même genre. Tu vois, parce que moi, j'ai habité longtemps à Strasbourg. Hein, et donc là-bas, tout le monde connaît lui, là. C'est ça. Ah. Bon, ça, c'est du Tommy Ungerer. Eh ben ouais. Tu vois, et tu le reconnais? Ben, tu ne le reconnais pas encore. Si, ça y est, c'est Jean de la Lune. Ben oui, Jean de la Lune. Jean de la Lune, c'est sur la couverture. Ouais. Ah ben oui, ben oui, ben oui. Ils sont là, fleurs, ça va, ça. Mais il faut mettre un masque. Comment ah, veux-tu qu'il sente la fleur, là? Non, il a une petite parce fleur. Parce que le masque, il faut le mettre sur le nez, en plus. Voilà. En plus, sur le nez. Donc là, voilà, ben, Jean de la Lune, je veux dire, pff, laisse tomber. Quoi. Il a sa fleur, il ne peut même pas la sentir. C'est nul. Bon, alors, Lou a oublié sa tête. De quoi ça parle? Eh bien, Lou a oublié sa tête. C'est l'histoire d'une petite fille qui est très étourdie. Et son maître, Monsieur Pio, lui dit toujours qu'un jour, elle oubliera sa tête. Et puis voilà, un matin, elle oublie vraiment sa tête pour de vrai. Et elle arrive à l'école en pleine forme, mais sans sa tête sur les épaules. Et j'ai une petite chanson pour Lou. Voulez-vous que je vous la chante? Et pendant ce temps-là, tu nous montres les images? Bien sûr, bien sûr. Il y a des temps. Vous entendez le ukulélé, là? Ouais. Où as-tu Lou? Où as-tu Lou? Où as-tu oublié ta tête, Lou? Chacun le sait, chacun le dit, tu es une enfant étourdie. Oh oui, 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 tu oublies toujours tes affaires, mais là vraiment, tu exagères. Oh, 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 depuis le temps qu'on te le dit, tu aurais pu faire attention, faire des efforts de concentration. Mais cela va de mal en pis, et ce matin, c'est le pompon. Oh, 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 où as-tu où? Où as-tu où? Où as-tu oublié ta tête, Lou? L'as-tu laissé à la maison, sur le canapé du salon? Dans le frigo, sur les toilettes, ou bien sur une autre planète? Oh, 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 dans la cuisine, à côté de tes tartines, dans un livre d'images, ou bien dans les nuages, sur une comète, ou sous ta couette, où as-tu oublié ta tête? Mais Lou ne répond pas. Comment voulez-vous qu'elle réponde sans sa tête? Comment voulez-vous? Voilà. Donc, vous avez vu dans Lou, il y a carrément un poster, une jaquette. Voilà. C'était Lou a oublié sa tête. Qui va bientôt être réédité, donc j'espère sans masque. À propos de masque, je pense à un truc. Ouais. Mission Carotte. L'histoire, elle ne marche plus du tout avec la pandémie. Pourquoi? Bah, quand les lapins se rassemblent pour attaquer le champ de carottes, ça ne marche pas. À cause de la distanciation sociale, ils ne peuvent pas se retrouver. Ou alors, il faut des masques. On en est où, des masques? Non, mais attends. J'ai trouvé une solution, Denis. Regarde.
Ouais. Je te la dessine, hein, tu sais, moi, je suis. Vas-y, 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 vas-y. Si on ne trouve pas des masques, on est mal. Alors, tu as le lapin. Tac. Et voilà, ça se passe comme ça. Je comprends pas. Attends, 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 attends. Un cosmonaute, ou? Non, non, non. Ah ouais, donc c'est carrément un casque. Un casque, Ah tu ouais, vois, ah c'est ben pas un ça masque, c'est c'est un bien, ça c'est casque. bien, ouais. Tu vois, parce que j'ai pensé à. J'avais fait un livre il y a longtemps. Ouais. Pour pencher la tête dans l'autre sens. Mon bébé croco. Et mon bébé croco, c'est l'histoire de ce grand crocodile, ce vieux crocodile bigleux rouge et Ouais. ce petit chevalier. Et tu vois, ce petit chevalier, il a un D'accord. casque. Ah mais oui, c'est ça, Voilà, c'est il ça, c'est nous ça. faudrait un Ouais. casque pour nos lapins. Et il le prend pour son fils, c'est ça l'idée. Ouais, voilà, Eh ben c'est il top. confond parce qu'il voit rien du tout et il confond et il élève ce petit chevalier en pensant que c'est un bébé crocodile. Et lui, il a Bah c'est juste peur de se super, faire Gaëtan. bouffer. Super. Là, ils ne peuvent pas le grignoter. Et Ah puis, ben c'est non. élégant. Hein. C'est très pratique pour aller faire ses courses et tout ça. Et puis, hop, et puis pour la scène du baiser. Ah bah oui, bah regarde, la scène Bon, du bah, ça baiser, je marche, sais comment on on va est sauvés. faire. Regarde, la scène du baiser, tu veux que je te la dessine, moi? Enfin, Ouais, c'est un vas-y, film, vas-y, vas-y. on va devoir retoucher un peu les dessins, hein, mais. Voilà. La scène du baiser, tac. Chut, je te le fais en rapide, hein, c'est, on est entre nous. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est pour voir si ça fonctionne ou pas. Tu vois, moi je pense que ça pourrait C'est marcher là. important, la scène du baiser. C'est quand même C'est quand même un une histoire moment d'amour. Ouais. capital. Voilà, la scène Wouhou! du Et puis les baiser. oreilles un peu, voilà, parce que Ah oui, ils sont un c'est. peu you, tu vois. Oui. Ouais, Bon, c'est bah un écoute, baiser quoi. on est sauvés, on est sauvés. Je pense que c'est très pratique. Love, ouais. Tu Formidable. vois, là, Formidable, voilà, donc c'est formidable, bon, hein, moi formidable. je pense Et que. pour manger, comment on fait? Ah bah pour manger, attends, on revient au dessin d'avant si tu veux. Pour manger, on Ouais, fera ouais. comme ça. Hop, tu sais, un casque, un home, on appelle ça comme ça. Eh ben, ça peut s'ouvrir. Et là, OK. tac, et ouf, notre OK. lapin pourra manger. Génial. On pourra manger ses carottes, il n'y a pas de problème. C'est une super solution. C'est une super solution. Moi, je Et pense que puis, c'est bon, hein. même quand les deux lapins amoureux vont en ville après pour aller chez le notaire, Ah oui, quand ils vont en ville, c'est cette scène-là, là, je me pour souviens. acheter Ouais. le champ de carottes, tu sais, ils vont acheter le champ de carottes à un moment, Oui. ça marche. Ils passent Bah oui, bah complètement après, inaperçus. Ouais. comme de toute façon, inaperçu, tu Dans veux la dire, ville. Ouais. ils auront tous un masque, alors pas de problème, hein. Regarde, hop. Là, tu vois, le livre, on le refait en 2 secondes. Hein. Hop. Bon, c'est Puis bien. c'est la Ouais, c'est classe, tu élégant. vois, ça fait un peu Ouais, SF, tout ça. Je ouais, dirais. ouais. Bon, le seul problème, c'est qu'avec ces casques, on ne voit pas très bien. Et Ah. du coup, ça peut faire un gag. Ça peut faire un gag. Comme il ne voit Tu rien, il se vois? trompe d'adresse. Et il se retrouve, par exemple, au cinéma. Ah Ah là, non, oui. ils sont fermés. Non, ils sont fermés, les cinémas, Gaëtan. Ah oui, c'est vrai. Ou Ouais. au restaurant. Ah non, fermé aussi. Ouais. Bon, ou alors, en traversant, ils se font écraser. Ah. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette musique-là? Tu l'entends? Ben ouais, j'entends, ça me rappelle un truc, hein. Mais qui c'est ce mec? Je sais pas. Voilà. C'est qui ce mec? Retire-lui son casque. Oh! Mais c'est le président des lapins! Pardon, monsieur le président, avec votre masque, avec votre casque, pardon, monsieur le président. On ne vous avait pas reconnu. Alors, je vais au cours du président des lapins. Eh ben oui, c'est moi, votre président, le président de tous les lapins. Mes chers lapins, j'ai des annonces très importantes à vous faire. Le port des casques ne suffit pas et l'épidémie de carotte 19 continue de s'étendre. C'est la mort dans l'âme que je dois annoncer un confinement immédiat et total aux terriers de tous les lapins pour une période indéterminée. Je vous remercie de votre attention. Vive la République des lapins et vive moi le président de tous les lapins.
tous ensemble, unis contre le carotte 19. Oh. Mince, confinement, quoi. Alors, bah, là, on est vraiment mal pour notre histoire. Hein. T'as vu, le président, il dit le carotte 19. C'est la carotte 19, non ? Non, non, non. Maintenant, on dit le carotte 19. Hein. Ah bon ? Pourtant, on dit une carotte. C'est pas très logique. Hein. Bon, tu sais, la logique. Hein. Et puis, que ce soit le ou la carotte 19, nos lapins sont confinés. Hein. Ouais. Et les écoles sont fermées ? Non, 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 non. Les écoles sont ouvertes. Hein. Les écoles restent ouvertes. Ouais. Regarde. Tu vois ? C'est une image de l'école. Oui, alors, je fais la voix de Kevin. Non, non, je fais la voix de la maîtresse. Kevin, remets la visière de ton casque, s'il te plaît. Ça fait 3 fois que je te le demande. Mais c'est pas moi, madame, répond Kevin. Il se lève tout seul. En tout cas, pour la grande aventure de nos lapins à travers la campagne, c'est raté. Mais non, bah, faut s'adapter, regarde. Ce sera la grande aventure confinée, bah oui, oui, oui. Voilà, dans le terrier. Et puis, ouais, ils regarderont des séries et ils feront des jeux, mais c'est pas pareil. La maman du lapin. Kevin, retire ton casque, ça fait 3 fois que je te le dis. Kevin répond. Mais maman, il est coincé. La maman. Chut, tais-toi, Kevin. Le président des lapins va parler. Tiens. Il a changé, le président des lapins. Il est bizarre, il est tout rose. Oh là là. Mes chers lapins. Il a changé de voix. Je voulais vous dire que cette histoire de carotte 19, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'épidémie. C'est juste pour nous faire peur et nous enfermer dans nos terriers. Mais cette voix, mais ce n'est pas le président des lapins. C'est le lapin fou! Mais malheureusement, il y a des lapins qui le croient et qui se mettent à sortir et à manifester sans casque en disant qu'il n'y a pas d'épidémie. Et la police des lapins leur tape dessus. Et du coup, ils remettent leur casque. C'est une sacrée pagaille. On ne sait plus qui croire. Et tu devrais le faire bouger le... Oui. Pardon. Il y en a même qui disent que le carotte 19... On dit le ou la carotte 19, décidément, j'arrive pas à me décider. C'est un coup des extraterrestres pour envahir la Terre. Et il y a des renards qui s'y mettent parce que eux, ils sont contre le confinement des lapins. Parce que comme il n'y a plus de lapins qui se baladent, ils n'ont plus rien à bouffer. Alors le président leur dit de se calmer, qu'on va leur faire distribuer des croquettes goût lapin jusqu'à la fin de l'épidémie. Et puis après, tout le monde voit bien que c'est pas une blague, cette épidémie. Et il y a le variant de Garenne qui apparaît, qui est encore plus terrible. Et ça dure. Tout le monde en a marre de mettre des casques et de se parler tout le temps en visio du fond de son terrier. Et puis, les beaux jours reviennent. Et puis, il y a un vaccin qui arrive. Et puis, l'épidémie de carotte 19 disparaît petit à petit. Et on peut à nouveau sortir sans casque. Et les petits lapins les gardent, les casques, mais pour pouvoir jouer au chevalier. Voilà, c'est terminé. Notre histoire de lapin est réécrite et bouclée. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier et à espérer que comme dans Mission Carotte 19, l'épidémie sera bientôt derrière nous et qu'on pourra bientôt vous voir en vrai pour faire les fous, pour faire les fous. Pour faire les fous, super les cœurs. Pour faire les fous, pour faire les fous, pour faire les fous, pour faire.
Montre-nous ta tête, Gaëtan, pour la fin. Très, très beau, le fin avec des carottes. Merci beaucoup, merci à tous. Et bon courage et bonne continuation. Ciao.